Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma filière. Donc dans ma dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit i, je vous ai dit que je passais en terminale mais je ne vous ai pas dit dans laquelle. Donc je passe en terminale STMG, donc c'est une filière avec beaucoup de préjugés où on prétend qu'on fait du coloriage etc. Sauf que ce n'est pas du tout ça et je vais vous le montrer tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que la STMG ? STMG signifie science, technologie, du management et de la gestion. C'est une approche au fonctionnement et aux stratégies d'entreprise. Vous avez vraiment un pied dans l'entreprise. Dès la première, vous avez 4 nouvelles matières, donc l'économie, le droit, le management et le science de gestion. Et la science de gestion. La science de gestion correspond à 6 heures de votre emploi du temps. Le mana 2h30 et l'éco-droit 4h au total. Et bien sûr vous avez des matières générales type histoire, langue vivante, etc. La seule chose qui change c'est les sciences. Vous n'avez plus SVT et physique chimie. Ensuite au niveau des épreuves, à la fin de l'année vous avez un écrit et un oral de français. COEF 2 il me semble, COEF 2 oui. Donc COEF 2, et à l'écrit, vous avez le plan du commentaire, c'est la seule chose que vous avez seulement le plan de commentaire, vous n'avez pas le plan du corpus, etc. Beaucoup se demandent pourquoi les STMG ont droit à un plan de commentaire, tandis que les autres, non. Alors je vous explique tout de suite, c'est qu'on a une heure de moins que les autres filières, on a une heure de moins de français, et c'est pour ça qu'ils nous donnent le plan. Donc pour ma part, à l'écrit de français, j'ai eu 20 sur 20 et à l'oral, j'ai eu 17 sur 20. Ensuite, vous avez un oral de gestion. Donc l'oral de gestion, en fait, se fait sur toute l'année. En fait, vous avez un stage au mois de... Pour ma part, c'était au mois de mars. Et vous devez faire un rapport de stage avec... qui a un lien en fait avec un chapitre de l'année. Par exemple, que produit l'intelligence collective, à quoi elle sert, la création de valeur, etc. Donc pour ma part, j'ai passé mon stage dans un cabinet comptable et j'ai eu 15. J'ai eu 15 le jour de mon oral. Ensuite, en terminale, donc qu'est-ce que vous avez qui change? Donc vous n'avez plus de sciences de gestion. Cette matière-là a été remplacée par votre spécialité. Donc vous avez gestion finance, RH, donc ressources humaines et communication. Mercatique et système d'information. Donc moi dans mon lycée il n'y a que GF, Merca et RH. Alors cette spécialité correspond également à 6 heures de votre emploi du temps et elle est COEF 12 au bac, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment charbonner. Après le reste, les matières générales c'est à peu près pareil, 3 heures de mana, donc on a une demi-heure de plus. Donc ensuite dans les épreuves, je vais vous dire les COEF, donc j'ai tout marqué là-dessus. Donc en EPS, donc c'est continu, donc vous savez c'est toute l'année, c'est COEF 2, histoire géographie aussi, anglais et allemand aussi COEF 2, maths COEF 3, philosophie COEF 2, économie droit COEF 5 et management COEF 5 et la spécialité COEF 12. Donc voilà, on a des gros COEF au niveau de nos matières spéciales en fait. Vraiment l'économie et le droit c'est axé en STMG, pareil en MANA et pareil pour la gestion finance, RH, système d'information et Merca. Donc maintenant je vais vous parler des spécialités. Donc qu'est-ce qu'on a comme spécialité? Ça je vous l'ai déjà dit, mais à quoi elles correspondent? Donc gestion finance pour ma part c'est celle que j'ai choisie parce que c'est plus axé sur la comptabilité. Donc c'est l'aspect financier de l'entreprise et comment elle crée de la valeur. Les ressources humaines là c'est plus sur l'aspect psychologique du salarié, comment valoriser le salarié tout en créant de la valeur. Pour la mercatique, c'est axé sur la maîtrise du marché et sur l'activité commerciale de l'entreprise. Donc comment, pareil, créer de la valeur en donnant à l'acheteur d'acheter justement. Système d'information de gestion, excusez-moi. Donc c'est la maîtrise de l'information, comment... faire d'une donnée une information utile à l'entreprise. Comment utiliser la technologie dans la stratégie de l'entreprise. Donc les technologies type réseaux sociaux, etc. Donc pour vraiment... c'est pareil, c'est un peu de la communication, il me semble. Après, comme je ne connais pas trop cette spécialité, je vous dis vraiment le global et ce que je pense que c'est. Mais si jamais vous êtes en STMG et que vous faites option système d'information, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça correspond exactement. Ensuite, on dit souvent aussi que la STMG, on peut rien faire avec, que ça ferme énormément de portes.
Sauf que pas du tout, bien sûr il y a les études supérieures classiques, donc BTS et DUT, qui correspondent à 2 années, bac plus 2 quoi. Il n'y a pas que ça, vous pouvez également aller dans des universités type droit, économie, etc. Pour ma part j'aurais bien aimé aller en éco, sauf que j'ai décidé de faire un diplôme de comptabilité gestion, puis après de continuer jusqu'à faire un diplôme d'expertise comptable. Mais aussi vous avez la possibilité d'aller dans des écoles type école de commerce et de gestion, de tourisme, etc. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur la filière STMG. Vous l'aurez compris que ce n'est pas un avis négatif, loin de là. Alors pour ma part je pense que la filière STMG est très loin d'être une filière poubelle. Elle ne devrait pas être considérée comme telle puisque c'est vraiment très intéressant. Si jamais vous êtes intéressé par la vie en entreprise, il faut vraiment foncer là-dedans. Je vous assure que ça va énormément vous intéresser. Donc bien sûr, étant donné que ce préjugé est inscrit dans la pierre, hein, très clairement, les professeurs s'y mettent également. Pour ma part, j'ai été beaucoup dénigrée lorsque j'étais en seconde. Mon prof d'histoire me disait que la STMG c'était une filière poubelle et que j'allais jamais réussir. Sauf que j'ai déjà prévu ce que j'allais faire à l'avenir. Mes professeurs d'STMG qui sont adorables m'ont vraiment boosté, etc. J'étais première de ma classe, tout va très bien. Faut vraiment pas se fier à tout ça, faites votre propre avis, votre propre opinion, allez-y, si ça vous plaît, foncez, ne regardez pas, franchement ne regardez pas les autres, leur regard ne vous importe peu, vous importe peu, excusez-moi. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette filière, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à vous abonner, c'est juste ici, et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, bye.